Bonjour, c'est Gadu et bienvenue sur Gadu Gaming pour ce troisième épisode du Let's Play numéro 2 sur la map Canada de Nelson en compagnie de Cus. Bonjour Cus. Coucou, c'est toi le gros pervers. Oui, je sais. On est parti. Alors, après la petite visite de PEI, hein, vous le voyez sur la map, nous allons aller à Québec et faire les alentours, évidemment. Ah, hein. Voilà. Pour faire deux épisodes. Tabernacle. Alors, évidemment. Tabernacle. Le jour se lève, hein, j'ai fait exprès, c'est normal. La voiture n'a plus beaucoup d'essence, je crois. Nous allons vérifier. 9%. Oh, putain, tu m'as donné un coup, là. Ah, encore, voilà. Encore un débug du jeu. Hein. J'ai rien fait, j'ai même pas roulé. J'ai juste démarré. Je give. Eh, dis donc, je triche. Oui, pardon. Je triche, excuse-moi. T'avais remarqué, l'arrière de cette caisse, c'est soit pour les nains, soit pour les cul-de-jatte, soit pour les bébés, quoi. Est-ce que non tu mais regarde, sérieux quoi. C'est un roadster, c'est normal. Mais pourquoi ils ont mis des places à l'arrière sans siège, bordel. Bon, c'est pas grave, allez, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce tu sors ça d'où là, le bidon? Je l'ai triché. C'est pas bien ça. Tiens, je te punis. C'est pas bien. Bon. Hey. Bah ouais, mais fais-moi 20 pompes en échange. Bon, d'accord, ok, là, un petit coup de pompe. C'est pas des pompes, attends. Mais c'est pas ça, ça c'est des pompes, ça. Voilà, t'es content? Allez, tu me remplis la voiture, voilà, s'il te plaît. J'ai plus de place dans mon inventaire, en fait. Non, mais... Le plein, voilà, le plein. Ça voilà. Fait marrer, le mec, il verse ça comme ça, là, sur le moteur. Hop, c'est bon, ça fait le plein. Voilà. Et on est obligé, hein. Je suis désolé de tricher, mais on a fouillé partout, quoi. On a fouillé un quart de la map sans gaz can, donc c'est la merde. Clair, ouais. C'est la merde. On va dans prendre Québec, peut-être... J'aurais bien pris le truc en hauteur, non? Ouais, alors, sinon, Gadu, oui. Hors-sujet du jour, je sais que tu adores ça, je sais que les amis, vous adorez ça aussi, enfin, surtout mes trois fans ennemis. Vas-y, nous t'écoutons, vas-y. Parce que la dernière fois, j'en avais trois, là, j'en ai une moitié, un nain. C'est ça. Alors, le hors-sujet du jour, ça va être ceci, c'est facile, ça va être un sujet léger. Que ferais-tu si tu gagnais au loto? Premièrement, j'installerai des serveurs de Hunter, déjà, pour commencer. Ah ouais, mais il y a des mecs qui ont des rêves un peu plus sexy que ça, quand même, quoi. Objectivement, et de façon assez logique, une baraque, évidemment. Une baraque, voilà. Bien installée, bien là où il faut, avec tout l'intérieur parfait. Et après, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. C'est pas à droite, hein, dans cet endroit. C'est pas là. C'est là. Ouais, mauvaise route. On aurait pu aller, bon, commence par le haut avant. Hein. Alors là, c'est à gauche. Ouais, mais voilà. Est-ce que, Gadu, est-ce que tu ferais au revoir, président? Oui, sans hésitation, oui, effectivement. Ouais, mais comment tu le ferais? Ah bah pareil, j'arrive avec la tête de poussin, là, et coucou, comme ça. Voilà, va en haut, hein. Va tout droit. Voilà, par là. Ah, tout droit? Ouais, par là. Voilà, on va aller d'abord en haut de la map, on va redescendre après. D'accord. On passe en coup de vent à Québec, on revient après, voilà. Voilà, prends la route. Mais t'imagines dans ta boîte où il y a des centaines d'employés de te ramener en poussin, déjà? Ouais, sans problème, je t'assure, ouais. En même temps, tu t'en fous, hein, d'habitude. Parce que moi, déjà, tu m'avais offert une tenue de Mario et ça me moule le cul comme il n'y a pas, alors toi, imagine une tenue de poussin, quoi. Non, mais c'est pas grave que ce soit ridicule, hein. Juste la tête et les pattes à la rigueur, tu vois. À poil au milieu, enfin, à poil, alors, en caleçon. T'as intérêt à faire ça une fois que t'as reçu le chèque de la Française des Jeux, pas avant, quoi. Ouais, parce que finalement, il y a une erreur. T'as entendu l'histoire du mec, c'était il y a quelques semaines, là? Stop! Le mec, ses amis lui ont fait croire, par un montage vidéo assez malin, qu'il avait gagné au loto. Et qu'est-ce qu'il a fait, cet ahuri? Il a été... t'en as entendu parler. Il a été... insulter sa belle-mère, demander le divorce à sa femme et démissionner. Mais sauf que c'était pas vrai. Il a pas gagné au loto. Ouais, mais sauf que je crois que c'est un... Un fake? Ouais, un fake. Putain, j'en ai marre, les zombies, ils me frappent à chaque fois maintenant. Je morfle avec les zombies, là. Faut faire quelque chose. À chaque fois, je me prends un coup. Un seul coup, mais j'en prends un. Les célèbres plages du nord du Québec. Tu peux m'aider, là, s'il te plaît, pour celui-là, parce que ça me gonfle. Putain, le premier coup, il est forcément... Voilà, c'est bon. On va faire comme ça maintenant. Tu l'attires et je le tape. Bah, Gadu, toi qui as voyagé dans le monde entier, il y a des plages au nord du Québec? Attention à toi.
Au nord, non, oh, j'ai pris cher, non, j'en reviens pas, non. Non, alors, si je me souviens bien. Alors là, les Québécois pourront nous informer. Tape-le, s'il te plaît, là. On le prend en sandwich, en Oui, bah fait. attends, j'essaye. Vas-y. Oh, c'est parti. Oh, il a volé Oh! celui-là. Oh là là. Il est Oh, la belle parti. bleue. Enfin, la belle orange. Oui, je disais, il me semble que le Québec, dites-moi si je me trompe, hein, est à l'est, au bord de la côte du Canada. Oui. Oui ou non? Oui, ça Voilà. c'est sûr. Mais de là, on est au nord du Québec, là, sur la map. Donc on est quand même dans des zones où il n'est pas censé faire très chaud, quoi. Oui, peut-être que Lokai, je sais pas, je vais y aller pour voir. Glouglou, là. Voilà, je marche Vas-y, dans fais l'eau. voir. Hein. Alors, ok, pour faire du canoë, ça, il n'y a pas de souci. Du Mais canoë. par contre, pour se baigner, je sais pas. Faudrait demander à nos amis canadiens. Enfin, on en a ou pas? Oui, bien sûr, il y a Mohamed déjà qui connaît bien le. Mohamed, il connaît le Canada. Hein. Il n'est pas québécois, a priori, en tout cas. Et il va faire Il est pas le. d'accord. Il va nous faire plaisir en répondant dans les commentaires. Voilà. Eh, s'il répond pas, c'est qu'il l'a pas vu. Hein. Là, je serais énervé. Voilà. Alors, peu importe. On a vu cette magnifique Donc, on plage. continue avec 15 millions d'euros, Gadoche. Avec 15 millions d'euros, bah une maison, hein, je te dis. Donc, t'as acheté ta baraque, t'as dit que c'est moi le gros pervers à ton patron. Ensuite. Ensuite, je pense que sur les 15 millions, j'en prends 7, hein, pour la baraque et tout, 7 et demi, et les 7 autres et Ah oui, demi quand même. seront pour une œuvre caritative, je ne sais pas, que je monterai moi-même, hein, pour éviter que ce soit dilapidé, volé avec je sais pas qui, j'en sais rien. Ah ouais, et l'œuvre caritative, ça sera montage de serveur Hunter Rust, la totale, quoi. Alors, non, ce sera pour moi ça. Ça, ce sera dans les premiers 7 millions et demi en fait. L'œuvre caritative, ce sera pour les Ah bon? animaux en fait, hein, je pense. Vraiment pour les animaux, j'ai pas envie Les animaux. de. Oui, voilà. Parce que j'estime T'es qu'un. comme toi, t'es comme ça, toi. Ouais, parce qu'un animal, tu sais, pour soigner, c'est beaucoup plus simple qu'un humain, tu vois. Un humain, il faut du pognon à mort, des papiers, des machins. Un animal, c'est un petit coup de veto, une heure, et il est heureux, il vous aime, après des croquettes, tu vois. Je sais pas, un truc comme ça, tu vois. Ouais, mais attends, ça c'est moins vrai parce que maintenant il y a des hôpitaux pour animaux. Enfin, des cliniques très haut niveau, quoi, si tu veux, quoi. Je prendrais bien la voiture pour essayer celle-là. On va aller tout Allez, au vas-y. nord, hein, je t'interromps. Au bord de la map, tout au nord, en fait, pour voir comment c'est à la limite. Tu vois? Histoire de, après on fait Ouais, on va pas y demi-tour aller. et on retourne à Québec après. Hein. Voilà. Ouais, Putain, donc. mais moi, avec 15 millions, mais je me paye un ordi de fou déjà. Oui, non, mais Enfin, moi ça me fera pas aussi. beaucoup à acheter, hein. Mais oui, moi aussi, mais j'aurais déjà 100 000 ou 200 000 euros ou 500 000 euros même de serveur, c'est pas la question. Mais je veux dire, sur 7 millions et demi, t'as 1 million de baraques, 1 million de serveurs et. Voilà, on est au max. Attends, je sors pour voir. Une seconde. Alors c'est joli, il y a les arbres derrière, mais on ne peut pas y aller. Bon, ça c'est fait. Allez, on aura vu le bout de Bon, de la toute façon, map. c'est les Inuits là-bas, il n'y a rien à voir. Attention, ouais, c'est bon. J'ai cru que t'allais prendre cher. Donc du coup, voilà, 7 millions et demi, hein, 1 million, 2 millions pour une baraque. L'intérieur, 1 million, je veux dire, je suis large, hein, très large. Il me reste 5 millions, on va dire. J'en donne 2 à ma famille, à mes potes, voilà. Évidemment, mon petit cus, hein, Eh, mon parce petit que t'es cus, d'accord que la voilà. salle serveur, tu la mets chez toi, hein. Ah bah oui, bien sûr, oui. Enfin, En plus, ça fera chauffage central, quoi. non, j'aurais juste une tour de serveur, hein. J'aurais pas un data center non plus, hein. 3 ou 4 serveurs, c'est tout, hein. Pas un truc de Ah, taré. c'est beau de Hein. rêver, hein. Ouais, Et à c'est beau, c'est bagnole, tu beau. prendrais quoi en bagnole, là? Alors en bagnole, j'en prendrais, je pense, 3. Une Mustang de 68, je pense, d'entrée. Ah, Attends. à une année près, c'était plus sexy, quoi. Non, 68, pas 67. D'accord. Parce que il y a eu des corrections en fait entre-temps hein, et des petits bugs qui Bah, ont je été pense que c'était enlevés. pas cette année-là, moi, mais bon. 69. Bah celle de 69 est moins bien, elle est un peu bizarre, elle a les feux à l'arrière un peu carénés, c'est un peu bizarre, donc non. D'accord, ok, y a pas de souci. 68, voilà. Et puis après à côté, je pense une Porsche Turbo S, je pense. Voilà, un truc pas trop comment dire sportif, juste confortable et puissant, voilà. Ah oh putain, oh l'enfoiré, une Porsche Turbo S quoi. J'ai plus d'essence. Alors par contre pour vous, hein, je triche encore. Uniquement pour la couleur du jeu, je me give de la vie. Voilà. Ah, alors attends, tu vas faire 15 flexions en échange, Et donc pour c'est ça. cus, et pour cus que dalle. Voilà. Attends, je Tu peux fais pas. ça 15 fois là. Attends, je peux pas le ramasser déjà. J'aimerais bien, mais je peux pas. Attends, une seconde, là, je bug. Oh là! Il y a un bug là. Ah oui, d'accord, ok. Oui, ça bug vraiment en plus. Hein. Je clique, ça disparaît. Voilà. Je prends, je me soigne, je reprends. Ah, voilà, un petit peu plus de couleur, c'est mieux pour vous. Alors, les pompes. Non, pas les pompes, les flexions. Voilà.
Et ce que j'aime bien, c'est que les viewers, ils ragent pour l'instant, tu sais. Mais qu'est-ce que c'est que ce Ouais. bordel? Qu'est-ce qui fait Mais zut, ce bordel, Gadu? quoi. Voilà. Et c'est pas fini. Pouce rouge, pouce rouge, pouce rouge. Allez, c'est parti. Ah non, c'est pas fini. Ah merde, c'est pas fini. Bah oui. Donc là encore, repompe après. Hein. Et la troisième caisse, c'est quoi là? Voilà, à toi. Alors ça, c'est une Audi A4 TDI 2 litres. Voilà, on le voit. Non mais qu'est-ce que tu prendrais? T'as dit que tu prendrais trois caisses, t'as pas dit la dernière là. Alors effectivement, pour la dernière, je prendrais une RS6, je pense. Une Audi RS6, ça c'est bourrin hein, ça. Bah ça Ouais. marche pas là ton bidon? C'est quoi Bah, ce bordel? t'as pris le mauvais, hein. T'en as mis deux, là. Pourquoi il y en a un Bah deuxième? pourtant ça a fait le bruit de pisse. Ah Ah bon? Ah, voilà. bah là ça refait le bruit de pisse. Ok. Et là, ça marche. Viens. Donc une Audi RS6, putain, alors moi si j'avais 15 millions, je le prendrais quoi comme caisse? Alors là, j'en prendrais une de tous les jours. Une de bourrin pour le circuit, mais malgré le fait que j'aurais pas de circuit. Ouais. Et un gros 4x4 juste pour me la péter, quoi. Alors, je sais ce que tu vas prendre. Tu vas prendre un CRV, une NSX et une CRZ. Je suis sûr. Non! T'as dit quoi? Attends, une NSX? Ah, et la nouvelle NSX, je prendrais en voiture de sport déjà. Alors, j'ai pas allé par là parce que là, Pourquoi? c'est. Parce que je veux pas de Ferrari, parce que Ferrari, c'est pas fiable du tout. Enfin. Si, c'est fiable si tu fais toutes les révisions à 15 000 euros chaque mois, quoi. Non, à chaque millier de kilomètres, hein. Non, 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 une NSX, voilà, au moins elle est hybride, comme ça tu peux rouler normalement avec. Et t'auras la prime en plus Bref, de l'État. ensuite. T'auras la prime de l'État, tu sais. Ça qui est bon. Voilà. Voilà, ensuite, en gros Oh. 4x4, je prendrais Oh. un Cayenne hybride, comme ça j'aurais 4 000 euros de l'État. Ouais, c'est débile encore ça. Enfin bon, bref, passons sur les voitures, hein. En tout cas, en parlant Et pognon, attends, en j'ai pas parlant fini la blé. voiture de tous les jours, je prendrais une Golf R. Ah, c'est bien aussi ça. À 5 portes, avec tout intérieur cuir pour ma copine. Je lui donnerai ça, tiens. T'as vu La Golf RIP? R! Alors, c'est écrit RIP Rest in partout, peace, ouais. et là, c'est une église, en fait. C'est une église, je pense. Une église? Tu te fous de ma gueule, hein? Moi, à ta place, j'aurais pris une RS3. Après, bon, chacun son Ah non, truc, hein, c'est mais. vraiment une. Ah, une RS3, ouais, mais elle fait trop de bruit, pareil, la RS3. Là. Puis j'en veux une qui passe plus ou moins inaperçue, quoi. Donc une marque normale, quoi, entre guillemets, quoi. Bah, une Audi S3 alors. Ouais, ou une Golf GTI en fait, c'est très bien une Golf GTI pour tous les jours quoi. Intérieur cuir, 5 portes et GPS, tout machin pour rouler normalement quoi. Ouais, mais pas Voilà. 4x4. Pas 4x4. Ça, c'est un problème, ça. Ah, elle est pas 4x4 aussi, c'est ça qui est chiant. Ouais. Ouais, t'es obligé de prendre 4x4. Hein. T'as du pognon, tu vas pas prendre Bah sinon, une Golf. dans le même genre, une BM 135i Ford Drive, enfin X-Drive, pardon. X35 en fait. X35, mais pas la M3, hein. Enfin pas la M1, la 135, la normale quoi, celle qui fait pas trop de bruit et tout quoi. Toute façon, je crois que la M1 ne peut pas avoir de 4x4. Y a Alors rien en c'est fait. Hein. possible aussi, et elle s'appelle la Rien. M135i en fait, ou la 135, la série 1M, je crois que c'est ça le vrai nom quoi. Je Elle trouve peut pas que. s'appeler M1 parce que M1 ça existait déjà en fait. Je trouve que les villes se ressemblent ici, hein. Beaucoup. Ouais. Donc là on est à Québecville. Bon bah ok. Excusez-moi. Si Nelson le veut, c'est que c'est Québecville. On va Ok. aller à gauche, tu vois, il y a une espèce de zone noire ici, là, si vous voyez. J'ai envie d'aller voir ce Ouais, que attends, je c'est. reprends la caisse. Voilà, reprends la caisse. Refais le plein si t'as besoin. Non, non, c'est bon. Moi je triche pas, moi. Bah, c'est vrai Je que t'es fais pas pas. de flexion, moi. C'est vrai que t'es pas admin, donc du coup, voilà. On pourra pas dire que tu gruches. Je suis pas admin. C'est parti. Voilà. Alors, Alors. tu voulais aller où à gauche, là? Alors on est où là? Parce que là du coup je suis perdu. Bah faut aller vers le sud en fait. Hein. Là? Le sud et après à droite en fait, quand on y va. Non, mauvaise direction, va Ah, à le gauche sud. maintenant. Ouais, va à gauche maintenant. Voilà. Tu veux aller où? Tu veux retourner à Ontario? Vers Ontario, mais on va aller à droite avant d'arriver à Ontario. Ah oui, l'espèce de truc où il n'y a pas de nom, là, Ouais, d'accord. où c'est noir là, je veux savoir ce que c'est. Peut-être un aéroport. Le spoil, le Ouais, spoil! on va aller voir. Bon, ensuite, donc t'as acheté la caisse, la maison. Alors moi, la maison, ouais, j'en prendrai une classe énergie A pour pas mettre le chauffage, Oui, jamais. alors, pareil pour la maison. Moi, des pompes à chaleur partout pour payer zéro électricité. Voilà. Bon, Zéro électricité, ça c'est beau quoi. et un champ de panneaux solaires aussi à côté, hein, qui va raquer aussi d'ailleurs. Ça Bon, ne sert à rien par contre. ouais, c'est pas très écologique. Mais bon, l'État donne des sous. Profitons-en, j'ai envie de te dire. C'est pas mon pognon, de toute Oh, façon. regarde comment c'est beau ces entrepôts là, c'est la douane. Non, c'est le circuit de Top Gear. Oula. Eh.
On va morfler, il y a beaucoup trop d'ennemis là. Donc la caisse de la maison c'est fait, qu'est-ce qu'on pourrait acheter d'autre après? Les serveurs sont faits, l'intérieur avec la télé, enfin tout le matos de folie aussi. Ah ouais, alors là, écran 4K 3D de 65 pouces le maximum. Après une villa secondaire en bord de la côte. Normal. Normal. Ah ouais, non. Si, si, moi je le ferai. Ah si. Oui, si, 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 quand même. Un petit truc, hein, pas un gros truc, hein, une petite maison, tu vois, une maisonnette. En fait, quoi. Moi j'aimerais bien me faire un circuit. Quoi. Alors, non, alors le circuit c'est hors de prix. D'accord, 15 millions ça suffit pas. C'est hors pas. De prix ça? Ça suffit pas, 15 millions. Ah, ça suffit pas, d'accord. Parce que à entretenir c'est un cauchemar. Parce que je ferais bien les 24 heures, tu sais, les 24 heures mobilette, les 24 heures Solex, les 24 heures voiture aussi d'ailleurs. Mais. Bon bah, oublions le circuit alors. C'est trop cher, ouais, il faut claquer. Ah, bah, alors, du coup, la NSX ça servira à rien, quoi. Ouais, en même temps, le circuit, tu l'as fait 50 fois, c'est fini après. Hein. T'en as marre? Ouais, remarque, t'as raison. Donc, pas de circuit. Par contre, une piscine chauffée d'intérieur, ça c'est beau. Et d'extérieur, tu sais, avec un petit sas pour passer de l'un à l'autre. Voilà, pour avoir le soleil en fait. Une piscine externe, juste pour avoir le soleil, mais elle est quand même à l'intérieur. Elle est entourée de vitres. Donc, c'est pour un petit, avoir chaud. C'est un petit aérodrome, hein, comme tu vois, avec. Oh, un duct tape. On s'en fout, mais je sais pas quoi ça sert. Oh, des scrap pédales! Attends, c'est notre premier scotch, on vient de le voir maintenant? Non, non, j'en ai plein les fouilles déjà. Attends. D'accord. Tiens, un nouveau modèle d'avion là, viens voir là-bas. Là. Il y a un avion qui. Oh, des briques! Je veux des briques, attends. Des briques! Vas-y, prends. Je vais voir ce que ça fait. Attends, qu'est-ce que je vais acheter? Ah, dis donc, la tour de contrôle. J'ai acheté les clauses en fait. Ils ont pas fait leur boulot là. Hein. J'ai acheté les clauses. On va les voir, on va les voir à l'intérieur. Par contre, l'avion, c'est dommage, il s'est crashé juste 10 mètres avant le. L'entrée de la piste d'atterrissage. La piste. Oh, c'est dommage. Oh. La piste. Oh, alors là, il y a du compute. Il y a du computer, la gadoche. Les traces de balles. Star Trek, dans Hunter, on est coincé dans les années 90. Regarde la gueule des écrans, quoi. T'as vu la gueule de la radio aussi? Bon, bref. Missing. Ah non, faut que je mange. Oh, un scope. Ça, c'est beau, ça. J'ai presque plus à manger, faut que je fasse gaffe. C'est mon avant-dernière bouffe. Ah oui, tiens, merde, j'en suis où, moi, niveau flotte, moi? Alors, niveau flotte, je suis blindé. Ah, il m'en hein. reste deux. Si tu veux de la flotte, je suis blindé, j'en ai 6 de la flotte. Par contre, non, de non, la bouffe... c'est bon, c'est bon. De la bouffe, j'en ai qu'un. Là, j'ai peur. Bref. Alors, je sais pas pourquoi j'ai récolté un scope ici, là. Que faisait un putain de viseur de fusil de chasse, enfin, de fusil à lunettes, ici? Sérieusement, en haut d'une tour de contrôle d'avion? Je sais pas. C'est comme ça, ça arrive, et... Voilà, c'est il y a un gun aussi. On s'en fout. Alors, est-ce que tu te souviens de la première vidéo? Tant qu'on est ici. Nostalgie, laquelle? Nostalgie. La première vidéo de la chaîne. Ah oui, vas-y. De la chaîne. Ouais, vas-y, tu sais, tu fais coucou, comme ça. Après, tu fais je lève les bras, comme ça. Et tu sautes. Et tu te pousses comme une fleur en te pétant ouais, les genoux. Sauf que là, on atterrit vraiment comme une fleur. Il n'y a plus de dégâts. Là. Tu te rappelles, on s'était demandé, mais c'est quoi ce bordel? Il y a eu un craquement? On croyait que c'était l'herbe qui craquait? En fait, c'est pas ça. On avait vu une icône avec les os cassés. Et on pensait que c'était bah plus d'os. Ok, bah on a plus d'os. Oh, il est beau cet avion. Il est beau. Bon, là, on va où maintenant? Hey, là, il est bien fait quand même. Ah, de la bouffe. De la bouffe. Ah, j'ai plus de place. Je vais boire un truc alors du coup. Hey, y a toujours pas de sac à dos. On peut fabriquer des sacs à dos? Je ne sais pas. Peut-être. J'ai pas regardé les crafts en fait. Donc du coup, je ne sais pas. Ah oui, aussi un truc que je me ferais. J'ai commencé à le faire, mais à mon niveau. C'est-à-dire, ça fait 15 ans que je le fais et j'ai que 30 jeux. Attends, je sais ce que c'est. La branlette. La branlette. La branlette. Bah, tu le dis, FAP. Ça fait 15 ans que tu le fais. Ça fait 15 ans que tu le fais. Le FAP. Oh là là. Attends, le FAP. Ouais, le FAP. Tu connais FAP? Le filtre à particules. Mais non, fap sur 9gag, là, enfin sur les sites anglais, c'est la branlette. Ah bah voilà, c'est ça. Fapper, se branler. Quoi. J'avais raison. Bon, bref, une collection de jeux rétro. Ah, c'est bien aussi. Complète. Je ferai la NES complète, la Super NES complète. Ça va être moche, hein, putain, une étagère de ça. Il y a un Martal, je veux le Martal. Alors, qu'est-ce que je vais jeter? Est-ce que tu veux de la flotte? Je donne de la flotte. Ouais, vas-y, donne. Parce que j'en ai plein et je suis pas selfish, tu vois, comme tu vois. Je garde le reste, par contre. Et ça, c'est beau. Alors, ah putain, ouais, une collection de jeux rétro. Là, j'ai combien de jeux actuellement? J'en ai 30 sur NES. J'en ai 25 sur Dreamcast. J'en ai 20 sur Super NES. 35 sur PS1 et 15 sur N64. Et c'est les 5 consoles que je fais. Le reste, j'y touche pas. Mon inventaire m'exaspère. C'est les 5 consoles que j'ai eues.
C'est les 5 consoles que j'ai eues, le reste j'y touche pas quoi. Bon alors il faut te servir parce alors que là. Toi, je sais que tu as, oui. deux jeux PS1, Motoracer et l'autre je sais plus. Est-ce que tu peux prendre les scrap metal s'il te plaît? Ouais. Ainsi que le scotch, voilà, nickel. Parce que moi je suis full là. C'est quoi ton deuxième jeu sur PS1? Mon deuxième jeu sur PS1, j'ai Cool Border et Motoracer. Oh là, un zombard. C'est quoi ça? Ouais, bah alors. Maple Trêve de Balivernes, où on va, Guédu? Est-ce qu'on revient à la base ou est-ce qu'on va visiter autre chose? Il y a de la glu ici, il y a de la glu. Prends de la glu, je vais latter le boss. Voilà. Voilà. La glu, t'as pris la glu? C'est bon? On ouais, est parti? C'est bon. Non, on je est pense, parti. Je pense qu'on va revenir chez nous hein, pour l'occasion. D'accord. On va faire un peu de tout Il y aura terrain. plein de zones qu'on n'aura pas faites alors, du coup. Oui, on les fait petit à petit. La map est grande, donc du coup, on les fait bien. L'aéroport, j'aime bien celui-là, pour le coup, tu vois. Par contre, il est un Ça peut être sympa, ouais. un chouïa trop petit. Ah. Mais sinon, il est réaliste en tout cas. Il est réaliste. Ça pop à mort en tout encore cas. Encore un mur, encore un mur pas palpable. Regarde. Attends, attends, il y a de la boisson et tout là. Oh, toi qui est mal barré là, prends tout. Regarde le mur pas palpable, Galu. Oh, j'ai pris cher, merde. Quel mur? Ah oui, la voiture est dedans, oui, tout à fait. Attends, alors, tu constateras que les écrans d'ordi sont années 90, par contre, les télés, c'est un truc de dingue, quoi. Ouais, télé plate, 1m50 au moins. Ouais, et aussi à 2 mètres et des brouettes du canapé. C'est clair. En oh, fait, putain. À ce niveau-là, t'as. Attends, oh putain, hey, c'est chaque canapé à son écran plat de la mort, quoi. C'est beau, ça. Prends l'eau aussi, hein. Prends tout ce qui est vide, c'est important. On n'a pas de medikit, mais bon, c'est Allez, pas grave. On va se giver hein, si besoin. Ah, on n'a pas de medikit non plus, c'est grave ça. On n'a pas trouvé un seul. Non, mais ce qui est bien, c'est que du coup, les viewers voient ce que je give et voient ce qu'on visite. Et il n'y a pas de medikit, donc voilà. La gruge est autorisée dans ce cas-là. On va retourner à Manitoba, enfin, en fait, où on vivait, en allant voir ce qu'on a. Ah, ouh, attends, il y a un petit point sur la route. Tu le vois ou pas? Attends, je vais te dire. Tu reviens en arrière là. Pile à l'opposé d'où on est par rapport à l'aéroport. Voilà, par là. Un point. Ouais, une espèce de. En fait, il y a une route qui mène à un petit truc rond là. Tu le vois ou pas sur la map? À 2 cm de Ontario, en fait, à gauche. 2 cm. Il y a une espèce de petit. Une ferme, je pense. D'accord. On va aller par là pour rentrer et on rentre à la base. Et puis, du coup, on aura fait l'épisode du coup de visite cette fois, comme il fallait. Oh, on arrive où là? Ah oui, c'est Ontario. Ok, c'est Ontario. Normal. Par contre, on va repasser devant la maison, je pense là. Ouais, sauf si tu vas par là. Attends, encore à droite, encore à droite. Je suis bien au bas d'endroit là. Ouais, tu vas à droite, encore un petit coup à droite. Et là, t'es bon là. Tu t'es un peu mal dirigé. Ah, on le voit. Enfin, c'est pas grave. Oh. Ah bah non, merde. Putain, je me dis, mais c'est quoi ça? Je reconnais. Un peu trop à droite, ouais, peut-être. Attends, j'ai vérifié. Là, t'es parfait. Là, t'es bon. Un petit chouïa à droite. Ouais, je sais. Un petit chouïa à droite. Genre ouais, 2, 5 degrés, pas plus. Voilà, parfait, parfait. Voilà, c'est bon. Oh, ah, oh, ça me manquait les drapeaux canadiens. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, à ton avis? Tiens, regarde le garde canadien là. Ouais, c'est clair. On peut se guiver. On peut se guiver le stuff hein, maintenant de canadien là. Mohamed s'amuse beaucoup avec, hein. D'ailleurs. C'est ça là? Ouais, sur le serveur, il s'amuse bien. Bah, oui, forcément, c'est de chez lui. Hein. C'est de chez lui. On va grimper dans la tour de guet comme tu aimes bien, comme d'habitude, voilà. Oui, ça fait au moins 500 fois que tu l'as fait. Vas-y, fais le guet. La blague de merde est faite. Et après, on va aller dans la prison. C'est une prison. Hein. D'ailleurs, il y a ouais, des habits. C'est une prison, ouais. Il y a des habits de prisonniers aussi, d'ailleurs. Tout en orange. Bah, on le voit, d'ailleurs. On le voit là. On le voit ici. Je suis derrière toi. Et en dessous, d'ailleurs, il y a aussi. C'est pas mal tout ça, mais il n'y a toujours pas de truc pour se soigner. C'est non, grave. Non, non, il n'y a que des habits, c'est naze. Alors attends, j'ai une idée. Oh là, il y a un zombie qui est pas loin. Surtout que j'ai plus que 33% de vie. Oh. Ah oui, alors dans la dernière vidéo, Gadu, puisque je viens de faire un faux raccord, j'avais 1% de vie. Comment ça se fait qu'il me reste pas 1% de vie? Bonne question d'ailleurs, parce que je t'ai pas givé de la vie ici. Je sais plus. Ah que si, puisque je peux pas m'en giver moi. Ah bon, je me souvenais plus. Bon bah ok. Ouais, mais pas de. En antenne, tu me l'as fait juste après la vidéo quoi. J'ai triché. La j'ai... dernière vidéo. On a encore triché. Attends, 1% de vie, on a trouvé aucun. Hey, attends. Même en antenne, on a trouvé aucun medikit quoi. En même temps, ce que t'avais à faire, tu meurs, tu respawn à côté, puisque ton lit est là. Donc au pire, c'est ah pas oui, grave. C'est pas bête, hein. Ça. Ouais, c'est pas grave. Hein. C'est un peu la triche du jeu, hein, comme dans Minecraft. J'aurais dû dire ça parce qu'en fait, là, je viens d'avouer qu'on a grugé. Ouais, mais enfin, en même temps, c'est de la gruge légite, on va dire.
Ah, sinon, on s'en sort pas quoi dans les vidéos. Ouais, c'est vraiment la gruge minimum là. Non, là, on fait ce qu'on peut. Hein. J'ai encore pris cher avec un zombard là. Je vais voir à la. Bon, t'es où là? Je suis à la 4. Rien dans la prison, t'es où là? Je suis dans une tour de guet. À l'arrière. Viens me voir. Ah oui, voir. Ça m'étonne pas ça dans une tour. Hein? Tu es où? À l'avant. Viens me voir. Je te vois pas. Ah ouais. Oh, coucou. Coucou. Bon alors les clos, hein, voilà, j'arrête de les stocker parce qu'il y en a tellement d'habits partout que c'est deux clos pour un pantalon et un pour un t-shirt. Hein. Donc là on est large. Pourquoi t'es accroupi? Hein? Pourquoi t'es accroupi? Bah ça rebug. Bah non, parce que là tu. Vas-y, réessaye. Ah c'est bon. Là t'es debout là. Ok, on va rentrer gentiment à la base. On va changer, on va prendre un van. Parce que j'ai envie. Même les bagnoles sont couleur prisonnier. Voilà. Il s'est dit que ça allait bien justement avec les prisonniers. Ok, il veut le faire un tour, on sait que c'est une voiture de prisonniers, tu vois. C'est technique, c'est intelligent. Alors, on retourne maintenant à Ontario, qui est par où en fait là, parce que je sais pas où je vais. Si, je sais où il est. Par là. Moi, je rêve d'un jeu, Gadu. Moi, je rêve d'une banque. On pourra visiter une. Hein? Ah oui, toi, tu rêves d'une banque. Qui ne se fout pas de la gueule de ses clients, mais qui se fout de la gueule des gens qui regardent la pub. Moi, je rêve d'un jeu. Oui. Qui fasse la vraie taille d'une ville. Alors ils l'ont fait, c'est vrai, dans Assassin's Creed 5, mais c'était Paris de l'époque. Et dans Vice City aussi. Ouais, mais attends, mais Vice City. Alors, est-ce que c'est pas possible? Ça fait pas vraiment la taille de Miami, Vice City. Non, effectivement, mais ça fait la taille d'une ville raisonnable. Faut avouer. Ça fait la taille d'une ville raisonnable. Mais j'aimerais bien qu'il y ait une ville entière, quoi. C'est-à-dire à pied, tu mets, si c'était Paris, tu mets, je sais pas moi, 40 minutes à traverser d'est en ouest, quoi, en courant, quoi. Bah écoute, dans Rust. Tout Paris, quoi. Dans Rust, il y en a qui ont fait l'équivalent d'une ville, puisqu'ils doivent monter leur tour, qu'ils ont glitché, en une demi-heure, en courant. Donc ça existe, je rassure tout le monde. GTA à Paris, ça serait excellent, quoi. Attends, elle est où notre maison? Elle est par là, hein? Oh non, on est sur les rails, d'accord, ok. Ouais, ouais. C'est derrière. Enfin, je crois. Ouais, c'est derrière. T'aimerais pas un petit GTA à Paris? Si c'est vraiment une reproduction fidèle, oui, j'aimerais. Il y a peut-être des teams qui l'ont fait, hein. Je sais que dans Minecraft, il y a un gars qui a fait. Il a fait quoi déjà? Il a fait un truc de taré. Paris entier, hein? Ouais, il a fait tout un truc. Tout le 75. Il a fait un truc entier, ouais, tout à fait. Tout le 75, hein, pas juste 2-3 quartiers, hein, tout le 75, voire même un bout de la banlieue. Là. On arrive à la base. Et par contre, on se ferait chier parce que contrairement aux villes américaines, je sais pas comment on ferait pour rouler à fond la caisse. Je me rappelle de vite fait GTA London sur PS1, là, qui était soi-disant à Londres. Et alors, fallait rouler à gauche, je me rappelle. Ça, c'était fun, remarque. GTA à Londres, ça serait marrant, quoi, aujourd'hui. Hein. Effectivement, je pense aussi. Mais les routes sont trop petites, quoi, pour faire des. Enfin, trop petites. C'est pas adapté comme les villes américaines à des grosses bagnoles et tout, quoi. Pourquoi tu fais le tour comme ça, là? Bah, je sais pas. Pour passer le temps. Bon, je pense qu'on va se laisser pour cette vidéo. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à liker, à tweeter, à partager, ainsi qu'à vous abonner si vous avez aimé. Et nous vous disons à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.